Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Prey. On est parti pour la suite de cette aventure. Et donc comme d'habitude, je tourne cet épisode à la suite de l'épisode précédent. Donc forcément je ne peux pas lire vos commentaires de l'épisode précédent. Enfin je peux les lire mais je ne peux pas y répondre dans cet épisode forcément. Vous vous en doutez donc, on a tout simplement plutôt pas mal avancé puisqu'on a fait cette zone ici où on s'est battu contre pas mal de monstres. Donc c'était la zone, comment s'appelle cette zone? Je ne me rappelle plus, je ne sais pas son nom, mais c'est pas très grave. Donc on a plutôt bien avancé. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement soit aller au stockage, soit aller au bureau de Alex Yu. Donc on a tout simplement ces deux choix ici. Au niveau des munitions etc, on n'est pas très bien, les armes ont été améliorées. Donc ça c'est cool aussi, c'est intéressant. Bah écoutez, je vous propose d'y aller tout de suite. N'hésitez pas comme d'habitude, un maximum de pouces bleus pour cet épisode, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous demande à chaque fois parce que Il faut me soutenir. Dans les petits let's play comme ça, enfin dans les petits let's play, dans les gros let's play comme ça, de jeux qui intéressent pas forcément tout le monde, c'est important de me soutenir parce que les gens regardent pas forcément. Ça permet de partager le let's play. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas de faire le maximum pour le soutien. Bon écoutez, je pense que le mieux là, c'est peut-être pas d'aller au bureau tout de suite d'Alexiou, mais peut-être d'aller au stockage. Donc on se prépare, on se prépare. On n'a pas beaucoup de munitions, on n'a pas grand chose. Mais écoutez, on va essayer de faire avec, en espérant qu'on y arrive. Tout simplement, j'ai peur, on n'a pas la carte logiquement. Extérieur Talos, ok, ah on peut sortir de là Talos, ah d'accord ok. On va pouvoir débloquer l'extérieur par ici. Attendez, comment on fait déjà pour débloquer tout ça? Voilà c'est ici. Ça se verra brut, arboré tout, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti d'ailleurs. Ça va faire bizarre. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Pistolet silencieux, recharge glu. Le petit transcribe. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Le quartier de l'équipage. On a les cartes du quartier de l'équipage. Bah écoutez, je crois qu'on va changer notre plan. Elle répond toujours pas. Ça c'est cool. Seule la voix de Daniel peut déverrouiller ce truc. Vous vous rappelez du quartier de l'équipage? C'était l'endroit où on devait aller parce qu'on avait pas mal d'objectifs. Sauf que on pouvait pas l'ouvrir parce qu'on avait pas la carte. Maintenant qu'on l'a, on va peut-être pas aller au stockage tout de suite, les amis. Ça peut être intéressant. Alors je vais sortir rapidement, même si je sais pas si. Ouais, alors oui, je passe les discours, etc. Ça doit être un peu chiant. Juste aller voir, je pense pas qu'on va y rester longtemps. Mais là c'est cool, on a la carte du quartier de l'équipage. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien, ça nous permettra d'y aller parce qu'il y a pas mal de missions secondaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Nouvel objectif. Morgan, on devait être trop haut là, non? Je me demandais si vous étiez perturbé par le fait d'avoir organisé votre propre mort. Ce n'est pas facile comme situation. Si je devais vous donner un conseil, ne pensez pas à ce qui va arriver. Bref, je la coque, quartier de l'équipage. Une chose à la fois. Est-ce que je peux entrer par là, tiens? J'ai besoin d'aide. Je suis là. Je vais aller voir brèche de la coque. On va aller voir la brèche de la coque du quartier de l'équipage. Colmater la brèche de la coque. C'est un peu loin là. Vous devriez suivre la méthode de Zachary West. Éditer ensemble plusieurs échantillons vocaux. Wow. Fais attention Kira. C'est dangereux. Vous avez conçu ma voix. Oh putain, il y a des... C'est sérieux ça? C'est bon, ils ont pas explosé sur moi. Ah mon dieu! C'est sérieux de mettre ça ici? Mon dieu, t'as des... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus de leur nom. Alors là, il y a de la radiation à mort. Oh là là, c'est quoi cette zone? Est-ce que je peux entrer par là? Je sais même pas pourquoi je suis là. J'aurais dû jamais venir ici. Je sens que je vais mourir. Voilà, j'aurais pas dû aller ici, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Meurs! Il est où? Il est pas mort? Putain, il est où? Je suis devenu aveugle. Ici. Ok, cet épisode commence vraiment bizarrement. Mais bon, pourquoi pas. Très bien, bon, je vais sortir d'ici en fait. J'aurais peut-être pas dû aller par là, même s'il y a certainement des choses intéressantes. Mais moi, ça me fait un peu flipper. Brèche, mais je suis même pas à côté de la brèche en fait. Voilà, il y a masse radiation en plus. Oh, attendez, ça va pas... Mon truc va pas tenir longtemps là avec toute la radiation qu'il y a. J'ai peur de me prendre un truc. Je vois pas exactement où elle est la brèche. Elle est de ce côté là. Après ça sert à rien vu que maintenant on a la carte. Je pense que la brèche nous sert à rien. Ok, brèche, quartier de l'équipage, c'est là-bas. C'est ici. J'ai même pas scanné lui. Tiens, je te casse la gueule, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire?
Putain, je perds de la vie bêtement en plus. Ah, pièce détachée. Le mec risque sa vie pour quelques... Ah bah là je vais mourir. Heureusement que j'ai du soin, mais bon, ça va être compliqué. Le mec risque sa vie pour quelques trucs à ramasser. Ouais, je me casse ici les amis hein. J'ai perdu beaucoup trop de vie pour pas grand chose. On va retourner tout simplement. Je crois que l'entrée est par là. Ouais, on est arrivé de là-bas. Je vais revenir ici. Ça saborait tout. Ici Kira. Ouf, très bien. Bon, on va être mieux déjà ici. Donc là, je vais me diriger vers le quartier de l'équipage. Je déteste la phase d'extérieur. J'ai trop du mal à contrôler le personnage. Je déteste cette phase. Voilà, c'est... J'y retournerai plus. C'est genre le mec qui va peut-être être obligé d'y retourner. Mais j'ai vraiment pas envie d'y retourner. On va aller au quartier de l'équipage. Du coup, j'avais prévu d'aller tout simplement au stockage, hein, qui est tout simplement apparemment la quête principale, la suite. Mais je pense que là, c'est vraiment important. On a beaucoup, beaucoup d'objectifs secondaires au quartier de l'équipage. Donc, on va s'y diriger immédiatement. Parce que ça va forcément être utile. Voilà, donc c'est parti. Allons-y. J'ai perdu de la vie bêtement, ça m'embête. Bon, pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Ah, tu peux me soigner, toi? Attendez. Il est où? Non, lui, c'est pour l'armure. Là, je l'ai entendu, il est où? Il est là. Mon armure, soit de mon armure. Voilà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Y'a pas un... Oh putain, y'a un mimique pas loin. Y'a pas un mec qui répare le... Peut-être là-bas. Oh bah le mimique, j'ai même pas envie de te tuer, tiens, je vais t'ignorer. Laisse-moi tranquille. J'ai même pas envie de m'embêter à te tuer. Oh, y a un soin derrière. Il va me suivre. Ouais, forcément, il va me suivre jusqu'au. Bah, vas-y, viens là, viens là, viens là. Viens là. T'as même pas un mimique supérieur, quoi. La honte. Ok. J'ai loupé le. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Quartier d'équipage, allons-y. Nous avons la carte. Let's go. Alors là, par contre, je pense que cette zone va être immense. Quartier de l'équipage, ça me semble assez grand comme truc. On a beaucoup de quêtes secondaires. J'espère qu'on va récupérer pas mal de positions pour entamer la suite. C'est surtout ça que j'espère en fait. J'espère qu'on va pas être perdant en fait dans l'échange de je tue des créatures et je récupère des choses dessus. Ok, ça commence. Bernard. Oh putain, elle est sous le contrôle d'un typhon. Homo sapiens sous contrôle typhon. Forcément. Ouais, le quartier de l'équipage. Oh putain. Ils vont nous exploser la gueule. Ce que je vais faire, c'est utiliser ça, je pense. Encore un peu. J'ai pas la carte là forcément. Oh, ça a l'air immense le quartier de l'équipage. Waouh 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 waouh. Ça me fait peur, il y a tout qui s'arrête là. Est-ce que je peux analyser l'autre qui est là-bas? Stupide pantin. Quoi? Vous aussi? Vous voulez entrer dans la cuisine? Bien, venez. Capsule de vide Galégos, nouvel objectif. Bon, je pense que cet épisode il va être dédié à cet endroit hein. Est-ce que je peux balancer une petite main des souris pour chaque votre pistolet étourdissant et relâcher pour faire le feu, rechargez-le avec R. Ah mais j'ai plus de balles aussi, ça le souci. C'est quoi déjà pour péter les trucs là? Est-ce que j'en ai encore? J'avoue que j'ai trop peur parce que je sens que. Je sens que ça va être galère de passer par ici. Vous continuez à en envoyer encore et encore. Et jusqu'à quand? Stop! S'il n'y a plus de pantin, peut-être que vous allez mourir de faim. Et tu te calmes, mon gars. Hein, il y a tellement d'étages. Oh là là, mon dieu. Alors là, on va devoir grave prendre notre temps, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses à fouiller. Donc on va devoir grave prendre notre temps. Bon. Écoutez, on va y aller, on en rend compte, on tire dessus, on en a rien à foutre. Au pire, on peut les congeler, on les laisse s'exploser tout seul aussi, on peut faire ça. Combien? Donc, on va y aller, on y va. J'ai pas envie d'être discret en fait, j'ai envie d'y aller YOLO. Parce que je pense que la discrétion servira à rien, on va forcément les rencontrer. Transférer le dossier. Joyeux anniversaire, papa. Vas-y, on voit ça. Vous pouvez pas le
Il va fermer sa gueule, lui. Bonjour, papa. Joyeux anniversaire. J'ai un cadeau pour toi, mais tu pourras l'ouvrir que quand tu seras rentré. Lire la mouche. Que ta société a des règles trop nulles. Devine quoi? J'ai enfin fait du trot avec Leda. C'était génial. Quoi d'autre? Oh, Ren. Pipi sur tes bottes de cow-boy. Oh, et super. Tu me manques beaucoup. Faudrait que tu dises à Monsieur Yu que les enfants devraient être autorisés dans l'espace. Eh ben, je suppose que c'est tout pour l'instant. Ah, c'est trop triste parce que son père est certainement mort, en fait, donc c'est vachement, vachement triste. Je suis très triste. Non, mais moi, les émotions, ça se voit pas sur mon visage, mais... Son père est certainement mort. Et encore heureux que tu puisses pas venir sur le vaisseau, Mathieu, parce que je pense que tu te serais mis en l'air. C'est pas comme si cette salle était remplie de... What? On va scanner ça immédiatement. Il est sous contrôle typhon, le petit con. Onde zéro psychique. Je vais lui balancer ça à la gueule. Hein. Inconscient. Est-ce que je peux le tuer? Ah, il est juste inconscient. C'est comme si on le tue en fait. Bah, ça, ça va bien nous servir du coup. Oh là là là, là il se passe quoi là? Y'a quoi, une autre créature? Y'a un mimique là. What? Y'a tout qui bouge? Eh, je suis pas bourré pourtant. Hein. Putain, y'a masse mimique, ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mimiques supérieurs ou autre chose? Je sais vraiment pas ce qui se passe, mais ça me fait extrêmement flipper, d'accord? Vous arrêtez ça tout de suite, monsieur. Putain. Attendez, là, y a des trucs qui volent. C'est pas des mimiques, ça. C'est pas du tout normal. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Putain, ils sont plaisir avec cet écran, là. What? C'est de ma gueule, il est là. Je peux pas l'analyser. Oh, j'ai même pas le temps de l'analyser. Hein. Il a disparu dans un autre truc. Wow! Il est où, bordel? Je suis en train de me battre contre... Il est invisible, en fait. Qu'est-ce que c'était, cette créature invisible? C'est une sorte de... On sait pas, en fait. Ça a l'air d'être une nouvelle créature. Je pouvais pas l'analyser, malheureusement, parce qu'elle était invisible. Ok, bon. Le principal, c'est qu'on l'ait tué. Puissant, le truc. Enfin, puissant, j'exagère peut-être un peu, mais... Ok, bon, on n'a pas la carte encore. J'ai pas loupé un PC sur son bureau. Il n'y a pas de PC. La vache. Très bien, très très bien. Hop. Bah, ça, c'est juste des mimiques, Kira, tu n'as pas à avoir peur. Je crois qu'il est tombé d'ailleurs, note. Carte au trésor d'Elgarod. Ok, oh là là, il commence à avoir des cartes au trésor. Ça, je sens que ça va être chiant. Il faut regarder ici. C'est une sorte de pièce en haut d'un escalier. Ah mais attendez, je crois que je vois où c'est, ça. C'est pas cet escalier-là. Bon, on verra plus tard. D'accord. Feuille de personnel. Oh, ils font du roleplay. Trop classe, Capitaine Elgarod. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du roleplay, c'est tout simplement un jeu assez libre où vous avez un maître du jeu avec des personnages, avec des personnes, et vous allez incarner un personnage que vous choisissez, que vous construisez, dans une aventure racontée par un maître du jeu. Franchement, le roleplay, c'est vraiment cool. Regardez, ils ont vraiment toutes leurs feuilles de perso, etc. Ils ont leurs compétences, etc. Bon, fans de roleplay, hein, les créateurs de jeux. En même temps, il y a une notion d'RPG dans le jeu, donc ça me paraît pas... Ça me paraît pas étonnant. C'est dégueulasse. Fais pas ta chouchotte. Ne pas oublier que les Xogres aveugles peuvent appeler à l'aide avec leur gong. Essayez d'empêcher Xelos d'utiliser des gemmes blanches contre les nécros. Bonus de plus 1 en crochage pour celui ou celle qui arrive à résoudre l'énigme de Drip. Passe par la porte. Pas les question. Mecs, ils ont fait du roleplay, quoi, c'est énorme. À moins que tu puisses t'occuper nouvelle carte d'accès. Putain, regardez, livre du maître du jeu, 6ème édition. Pas trop le choix. Elias, pardon. Elgarod. Capitaine Elgarod. La petite pizza. Je peux lui répondre? Certainement pas. Aucun son n'émane des ténèbres. Elles ont englouti Elgarod complètement. Bon, je vais allumer une torche et... Salut les gars, désolé pour le retard. Du coup c'est trop drôle, on les entend jouer. Je vais tenir Bellamy par la main pendant toute l'opération. Habite à ma fiche de perso. Ça c'est énorme comme référence, hein. Regardez, ils ont même la carte, etc. La world map de leur jeu de rôle. C'est énorme ça, franchement, rien à dire. D'ailleurs, on a une quête secondaire où on doit trouver les enchantillons vocaux. On en est à 40%, donc il nous en reste 3 logiquement, vu qu'on en a eu 2.
C'est trop classe. Vraiment, vraiment cool. Moi qui suis fan de roleplay, je trouve vraiment le truc intéressant. Bon, du coup, on est où? Bon, en fait, ça a pas l'air si grand que ça, en fait. Hein. Je croyais au début, mais... je pense que... quoi, il y avait encore un... non, c'est juste qu'il y a une tourelle. Qu'on va... on va la pirater, je pense que ça peut nous servir plus tard. On va la pirater et peut-être la prendre avec nous. Oh là là, on a pas beaucoup de secondes là. On a très peu de secondes. Non, 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 Kira, 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 Kira. Oui. Oui, oui, oui. On va la réparer. Et on va la porter. Où est-ce qu'on va la poser? Je ne sais pas. Je veux la garder avec moi, ça me fait peur. Je sens qu'il va y avoir des créatures après. Mais là on fait quoi là en haut? On peut pas aller autre part? Ah c'est juste un balcon comme ça? Ça a l'air. Bah écoutez, on va redescendre du coup. On était où ici? Ah oui, oui, d'accord, ok, je vois. Je vois. Je vais la déployer ici par mesure de sécurité. Je peux pas? Ah si. Voilà, on va la déployer ici par mesure de sécurité, ça peut nous aider, je pense. Utilitaire. Carte de la zone, c'est la première chose que j'aurais dû faire, comme un con, je l'ai pas fait. C'est intelligent, Kirazin. Ok. Oh! C'est immense, en fait! Putain, je voyais ça tout petit, du coup, moi. Salle de repos, on l'a fouillé. Oh, ils ont une piscine et tout, cabine d'équipage. Oh, la cuisine, cafétéria. Putain, j'étais en mode, c'est tout petit. Transfert encore, enregistrement de surveillance. J'ai préparé le conteneur. Putain, c'est immense en fait. Bizarre, Quinten. Bah écoutez, je crois que dans cet épisode, on va être surtout sur le quartier de l'équipage. Piraté. C'est parti. Mon dieu. La taille du truc. Je me disais que c'est bizarre, le quartier d'équipage, il est petit. Ok, alors là, là par contre, ça va être très compliqué là. On va devoir revenir là-bas. Oh là là, là par contre, celui-là est compliqué. Allez, allez, non, 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 allez, 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 n'importe quoi, W! Non! Merde. Je vais recommencer, hein. Je vais recommencer. Bah, bien sûr, je recommence. Cette fois-ci, on va pas faire le con. On va pas perdre trop de temps. Attends, on a vraiment pas beaucoup de temps, hein. Mais on a vraiment pas assez de temps, là. Hein. Oh, voilà, je fais de la merde, je suis pas concentré. Oh non! Mais encore! Personne ne demandait de planquer de la bouffe dans un... je m'en fous de perdre de la vie, franchement les amis, j'ai envie de le faire. Vous savez que moi je suis coriace. On a 13 secondes quoi. Enfin un piratage difficile. Bon celui-là est plus simple du coup. Ok. Heureusement que ça change à chaque fois. Bah voilà. Bah mange-le hein. Clairement, de toute façon. Ok. Neuromode 3, modificateur d'armes, plan de fabrication de kit de secours. Cartouche de fusil à pompe. Alors ça si c'est pas formidable. Alors ça si c'est pas formidable. Incroyable. Ok, bon. Du coup, comment on va s'organiser les amis? Comment on va s'organiser? Je pense qu'avant de fouiller les cabines d'équipage, on va peut-être aller par là. Avant la cafétéria et la cuisine. L'ascenseur est cassé, mais on s'en fout, on peut monter là. Ça mène où là? Ah oui, on peut aller... oh là là, mais il y a aussi cet étage-là. Donc là, on l'avait fouillé. Cinéma. Bah écoutez, on va fouiller cet étage-là, du coup. Ils ont un cinéma et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette classe énorme. Étoile montante. Ce cinéma. Je rêverais d'avoir un cinéma comme ça chez moi. Je pense que c'est le rêve de tout cinéphile. Bon, je suis pas un cinéphile, je veux pas dire ça non plus. Je vais pas... j'exagère un peu, on peut pas péter là. Mais avoir un cinéma chez soi, c'est quand même Mais même pas de cette taille là. Bon, déjà, il est vraiment pas mal, il est quand même assez grand. Mais un petit cinéma, c'est quand même la folie quoi. Je pense qu'un jour, je me ferais vraiment. Si j'ai bien entendu la thune pour faire ça. Mais avoir juste une salle en fait. Juste une salle et pas forcément un gros cinéma, mais avec un rétroprojecteur et tout ça. Ouh là là, j'avais pas vu ça. C'est un nid, encore une fois. On se casse, ça va exploser tout seul logiquement. Il y a un mimic là. Non.
Ok, il faut passer juste à côté en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Putain, mais d'où il est venu lui? D'où il est venu lui? On va hop, putain, il y a un mimic, c'est pas grave. On va réparer ça, on va la pirater. Non, non, non. Oh, ah, je suis con, bah je la répare mais je la pirate pas. Alors là par contre, si je rate mon coup, je suis dans la merde. On peut se le dire. Ok. Allez, là faut que je réussisse ce piratage les amis. Question de vie ou de mort, je vais passer par au-dessus. Allez, ok, nice, 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 nice. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, on se prépare. On se prépare. Putain, c'est trop bien. Franchement, les tourelles, c'est le top. Hein. J'ai réussi à tuer la créature, mais sans... Sans, comment dire... Bah, sans aider la tourelle, en fait. Donc, c'est vachement, vachement cool. Par contre, là, faut peut-être faire un petit tri. Voilà. Ouais, mais même avec ça, là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Encore un tri. C'est bon. Voilà. J'ai presque... J'ai pas encore tout fouillé, j'ai déjà plus de place. Oh, non! Oh, j'ai réussi à la détruire. Au bon moment. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un recycleur quelque part? Ce serait cool. Là-bas, il y a un recycleur. Nice. Bah, écoutez, on va y aller après. Bah, c'est où le monstre est sorti. Alors, ça, c'est trop bien, ça. Nouvelle carte d'accès. On voit strictement rien, là. C'est rassurant. Comme endroit. Quoi, quoi, quoi? T'as un mimic? Même pas. C'est le verre qui est tombé. Carte d'accès. J'ai pas la carte. Tout ce qui est carte d'accès, on peut jamais pirater. Hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est normal. Sinon, ce serait complètement pété le piratage. Et ce serait beaucoup trop fort. Parce que sinon, il y a des zones où on pourrait passer l'histoire, etc. Donc, tout à fait normal qu'on puisse pas tout pirater. Oh là, il y a un passage. Ça va nous amener où ça? Salle de fitness, je suppose. Il y a tellement de trucs au truc. Je pense que je vais tout faire dans cet épisode, les amis, même si ça dure une heure. Et je vais tout faire dans cet épisode, je pense que c'est important. Ah, il y a des plantes. Des plantes. Depuis le début, je lis même plus les livres. Ok. J'oublie pas ce passage-là, vous inquiétez pas. On va y aller, je fous juste cet étage. Un petit endroit de musique et tout ça. Wow! Oh, ça fait du bruit, cette merde! Lui, il me fait peur au même moment, le petit con. Il est où? Il est là? Vas-y, viens là, là. Allez, viens là, là. Là, j'aime pas... En fait, j'aime pas les mimiques parce que... Ce qui me saoule chez eux, c'est que je perds de la vie, mais genre, vraiment bêtement, en fait. Là j'ai perdu de la vie mais pour rien et c'est tellement casse-couille du coup. On va réparer notre combinaison au passage. Et ça c'est vraiment vraiment rageant en fait de perdre de la vie comme ça parce qu'on peut pas les esquiver. Bon si après il y a des sorts pour mieux les voir mais j'ai pas envie de me faire chier à prendre ça quoi. Il y a plus d'électricité, c'est formidable. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc Mokyo. Ils sont dans des salles vides comme ça. Faut s'attendre à avoir des mimiques hein. Enfin des salles remplies d'objets surtout. Allez. Putain mais il est où? Tu vas arrêter de bouger petit con va. Tu vas arrêter tes conneries. Merci. Voilà. Ok. Je pense qu'on a tout fouillé dans cette salle, la tulipe jaune. Alors avant d'aller là-bas, je vais rapidement aller au recycleur. Parce que si on trouve des... Oh, qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a une clé à griffe. Ah forcément, j'ai pas de place. Hop, alors attendez. Oh merde. Putain, Kira de fils de chien, excusez-moi. Je m'insulte moi-même, hein, si vous l'avez pas compris. Oh putain, ça c'est con d'utiliser de la psy pour rien et en plus perdre de la vie. Ça c'est... Bah ça c'est le genre de truc qui te donne envie de... De te foutre en l'air, pas du tout le mec qui exagère. Mais ça fout un peu les boules. Ok, bon. Petite zone tranquillou, modificateur d'armes, on va prendre tout ça. Putain, il y a des matériaux comme ça. Mike, il paraît que tu vas dans les suites de la direction pour réparer le système de refroidissement. Tu pourrais déposer ces fournisseurs à Morgane en passant. Le code du plus gravitationnel a changé au fait, c'est 8469, ça c'est cool. On a un petit code. Suite de la direction. Ah ça c'est bien ça. T'as le mec qui a les codes de la direction quoi. Bah après en même temps il y a bien qu'il y ait l'accès. Ok bon c'est parti. Voilà. On a des armes en double. Ça on l'a jamais amélioré donc on peut jeter n'importe lequel. Ça. Et je crois que c'est bon. Yes. Yes yes yes.
Ah et on peut rien créer ici, on peut juste... Il y a juste un recycleur ici. Merde. Bon, c'est toujours ça. C'est toujours ça, j'aurais bien aimé aussi... Bon, tant pis. C'est toujours ça de prix. Alors, du coup, très bien. Bon, là, du coup, on va quand même passer par le petit passage secret qui nous mène à la salle de fitness, je suppose. Cet étage, on l'a complètement fouillé. Logiquement, il devrait pas avoir de problème. Je vais aller à la salle de fitness. Là-bas, c'est où? Ici, là-bas, on a déjà été. Enfin, je pense que ça amène là-bas. On va voir, on va aller fouiller. Voir ce qu'il y a. Alors, le passage est où, déjà? J'entends des bruits, c'est horrible. Je sais pas d'où ça vient. Le passage est où? Il est là. Il est là. Alimentation de la tulipe jaune. Ah bah d'accord. Ah bah là c'est sûr que ça va être mieux, on va voir un peu mieux. Ah bah là c'est déjà un peu mieux, c'est cool. Tiens, y a encore un mimique là-bas. Oh, tu me pètes les couilles. Un mimique supérieur en plus. Allez. Tête. Je suis tellement crevé en plus. J'ai plus de force. Ok, bon j'ai pas perdu de vie, c'est cool. J'avais tout vu là. Il y avait quoi ici? On peut être des... Mon dieu, système sonore d'ambiance, nuit blanc. Arrêtez, non c'est bon, ça me fait flipper. Arrêtez la musique. Alors du coup, est-ce que là-bas on peut y aller du coup, vu qu'on a activé? Non mais là il faut une carte quoi qu'il arrive. Ok. Ça m'intrigue là, les fournitures, la petite salle ici en fait. Attendez, le passage c'était juste pour activer ça? Putain c'est dégueulasse. Bon allez on descend. Du coup là maintenant on va aller vers la cafétéria. On a encore tout ça à fouiller les amis, la cafétéria, la cuisine et les vestiaires. Donc vu qu'on a fait tout l'étage et que c'est bon, on va aller par là. Médicentre, attendez là-bas il y a un... Il y avait quoi déjà là-bas? Il y a un opérateur? Ah ouais, on peut pas aller là. Je les ai même pas équipés ça. Honte à moi. Comment je fais pour les équiper? Charge recyclante. Je vais le mettre à la place du... Voilà. On en a plein en plus. Wouhou! Ah mais c'est vrai qu'on peut faire ça les amis pour récupérer des matériaux. Mais j'avais complètement oublié. En fait j'avais complètement oublié cette astuce. En fait là si j'ai plus de balles je peux l'utiliser sur plein d'objets. Putain c'est vrai, j'y pensais plus. Oh ça m'aurait aidé plein de fois les charges recyclantes. Merde, bon bah tant pis. Tant pis. Ah ça fait plaisir. L'opérateur de soins c'est cool. Et oui les charges recyclantes que j'utilise plus. En même temps ils étaient plus dans ma barre en bas. Donc forcément j'y pensais plus. Mais là du coup oui. Bon quand même. C'est bon. On y va. Là par exemple, ce que je peux faire c'est encore faire ça. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Attendez, vous croyez quoi? J'adore l'effet. Il est trop bien fait. Est-ce qu'on passe directement par ici? Salle de repos. Ah mais non, on a déjà été ici, salle de repos. Je croyais qu'on avait déjà... Ah si, mais si, c'est bon, on a déjà été. Mais pourquoi c'est bloqué? On a dû passer par quelque part d'autre, je pense. Mais d'accord, ok. Ah oui, pistolet disjoncteur, j'ai récupéré des munitions là. Oh là là, 330. Autant de munitions? Bah écoutez, ça fait plaisir ça. Ça va nous aider pour les... Tiens, on va accueillir ça. Contre les humains. Et là, s'ils nous mettent des munitions, c'est que ça va forcément nous aider énormément. Là, il va y avoir pas mal de personnes. À la cafette. Ils sont tous partis à la cafette pour bouffer. Ok. Ok, il va y avoir du monde ici. Dîner. C'est bien, toi t'es coincé, ça fait plaisir. On va l'analyser. On l'aura analysé totalement. On m'a vu. Oh là là, merde, il y a une grosse créature. Oh putain. Alors là-bas, ça va être un sacré bordel. Le ratifon, ça marche. Charge IM, je pense que ça ne marche pas. J'ai voulu tirer comme un taré, mais je pense que c'est pas utile. Si vous contrôlez encore votre cerveau, c'est bon. Ils sont tous en train d'exploser ou je rêve là? Oh la petite bombinette qui va faire mal. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah ça c'est fait. Mais
Putain, j'ai perdu beaucoup trop de vie là. Attendez, j'ai perdu beaucoup trop de vie, surtout que j'ai plus de... Quand les pantins ne seront plus là, alors peut-être qu'on parlera. Ah mais on perd quand même de la vie, c'est compliqué en fait. Sécuriser la cafétéria. Bah dis donc, on va avoir du boulot pour la sécuriser la cafétéria. Hein. On va avoir du boulot. Ok, on va claquer un truc de psy. Petite bombinette. Je vais le tuer comme ça, lui. Hein. Je vais le tuer comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. Hein. Voilà, ça c'est fait. En plus, on tue les autres à côté, donc c'est cool. On lui fait tellement mal. Ok, encore une charge. On peut encore en faire un, du coup, là. Il est où? Ok. Pas mort, toi? Non, non, c'est pas ça que je voulais utiliser. Boum! Oh, mais là, je vais mourir. Oh là là, je vais mourir. Il me reste 5 de vie. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il reste plus beaucoup de créatures. Il reste plus beaucoup de créatures. Il est presque mort. Ok, on récupère un peu de vie. Je vais aller voir un opérateur rapidement. Est-ce que si je me barre, c'est bon? Ah mais c'est vrai qu'on peut prendre la tourelle aussi. Je vais voir l'opérateur. Allez, go 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 go. Soigne moi. Là l'opérateur médical par contre c'est parfait hein. Là ça m'aide tellement. On va prendre la petite tourelle. On va la porter. J'aurais dû la prendre dès le début celle-là. Hein. Oh putain! Je l'ai pas analysé complètement lui? Non! Non, viens là! Ah, dommage. L'analyse n'est pas encore terminée. Faut que je l'analyse. Allez, l'analyse. Ok, c'est bon, on peut déployer. D'autres spécimens sont requis. Il va mourir. Ah bah lui il est mort tout seul. D'accord, pourquoi pas. Et voilà, sécuriser la cafétéria, nous avons réussi. Vos pantins sont morts. Et maintenant, c'est votre tour. Ah, je crois pas moi. Venez à la fenêtre de la cuisine. Je veux vous voir. Y'a pas de soucis, j'arrive mon gars. Y'a pas de soucis, j'arrive. La demande du cuistot. Parlez au survivant dans la cuisine, y'a pas de soucis. Oh là là, tous les modificateurs d'armes. Alors là, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. La tourelle, je vais la garder également. Modificateur d'armes. Par contre, on a vraiment plus de psy. Ok, bon. Alors, avant d'aller direct à la cuisine, on va fouiller la cafétéria, bien entendu, parce que là, il faut récolter un maximum de... de munitions, il faut tout récolter parce que là il faut se préparer. Je sens que il va avoir un petit boss à la cuisine. Donc il faut se préparer au pire. Putain, ils ont une vue, mais regardez, non mais regardez. C'est pas la plus belle vue du monde. Je pense que là on peut pas avoir mieux. Hein. Ça c'est sûr. On peut pas avoir mieux. Alors je fouille toutes les tables, hein. Je sais pas si c'est utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, y a rien. Tout de nourriture. Pas l'air d'avoir grand chose à la cafette. Pudding. Du pudding. La cuisine est là. Cuisine est là. Je fais un peu de pub. Le mec horrible. En haut c'est exactement pareil. Oh là 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 là. Le restaurant. Le restaurant du bonheur. Le restaurant du bonheur. Ça se met bien quand même hein. Ça, bon, en même temps pour une mission pareille, je pense que le gouvernement, enfin le gouvernement là, peut-être la NASA, j'en ai aucune idée, je me rappelle plus. Ils ont balancé l'argent. Hein. En même temps, il faut bien. Hein. Pour construire un vaisseau de ce type. Enfin, Transtar, c'est même pas la NASA. Je sais pas pourquoi je parle de NASA, c'est Transtar de base. Même si ça n'existe pas, c'est Transtar. Ok, bon, je crois que j'ai tout fouillé sur eux. Ok, je vais juste reprendre un petit coup de combinaison, si possible. Enfin, je vais réparer mon armure. J'ai 5 neuromodes. Est-ce que j'utiliserai pas... Alors, qu'est-ce que je voulais faire encore? On peut encore améliorer armurier niveau 2. Et je pense que je vais faire ça. Parce que là, mes armes, je les améliore à fond. Parce que c'est super utile. On va augmenter encore ça.
améliorer. Attendez, il me reste combien de balles là? Il me reste 29 balles, ça peut faire mal. Je vais améliorer encore ça. Ah mais je peux pas là. Je peux pas, il faut améliorer niveau 2. Bah écoutez, je vais améliorer du coup le fusil à pompe. Puissance de feu. Recul. Munition max, c'est pareil, on va l'améliorer. Voilà, donc le fusil à pompe et le pistolet ont été améliorés à fond, donc là on est plutôt bien. J'ai peur d'aller à la cuisine. J'ai peur d'aller à la cuisine. Il n'y a pas grand chose à prendre là. Ils ont rien mis en fait dans le décor ici. La demande du cuistot. Votre combinaison. Y a quoi sur votre étiquette? C'est You M.U. M.U. Vous avez fait la belle vous-même? Eh ouais. Si vous voulez entrer, être en sécurité, allez chercher quelque chose. Oh non, non, tu te débrouilles, mon gars. Tenez la clé. Ah, bon, tu me donnes la clé. Ma chambre. Ok. Cabine du Will Mitchell. Alors, sa cabine est où? Du coup, c'était pas la cabine qu'on avait vue ici? Ah mais non, mais les cabines allez sont ici. Chercher okay. Ma récompense, c'est important pour moi. Le mec a pas peur, je pourrais lui tirer une balle dans la tête. Ensuite, okay. Peut-être qu'on parlera. Ok chef, on peut pas du tout entrer. Bon là il y a une porte, mais du coup on peut pas entrer du tout. Ok. S'il y a quand même des trucs à prendre avant de partir. Ouais, y a vraiment, on peut vraiment pas entrer quoi. Vous m'apportez rien? Oui. Je vous donnerai rien. T'as avec cette voix à la Stallone. Vous m'apportez rien? Bah je vous donnerai rien. Cette voix à la Stallone. Bon écoutez, c'était plutôt pas mal. Maintenant on va se diriger vers tout ce qui est cabine de l'équipage. Donc il va y avoir du beau monde. Oula, il est là. Il est là. Hop. En fait ça c'est trop utile hein. Du coup c'est carrément super utile contre eux. On a bien fait d'avoir cette arme. Ça sert à quoi de réparer l'ascenseur? Attendez, je vais juste essayer. Attendez, oh là là, attendez, y a... Oh, oh j'entendais du bruit au début. Oh putain, j'ai perdu du psy en plus. J'entendais du bruit au début, je me demandais. Ah mais on a même le code. À quoi ça sert, je comprends pas. Ah mais ça nous amène à... Ah y a un autre étage? Ça nous ramène où là? Oh c'est celui de la direction. Ok, là c'est dehors. Très bien, on va pas y aller. Bah écoutez, tiens, on en profite pour aller au sud de la direction. Hein. Transtar. Alors là, c'est la classe. C'est la classe absolue. Là, y'a rien à dire. Ici, c'est la classe absolue. Oh là 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 là. Votre cabine, quoi. Attendez, c'est ma cabine ça? Ah, mais oui! Attendez. Si on dormait là? Ah, mais oui, mais attendez, c'est. Attends, j'arrive plus à savoir, c'est bien notre cabine. Ah non mais elle ressemblait tellement à la cabine qu'on avait au début du jeu. Mais si, mais attendez celle-là. Ouais, sauf que c'était pas exactement comme ça puisqu'on pouvait sortir après. Hauteur d'onde 0. Plan de fabrication. Neuromode, pièce détachée. Oh là là là, on a tout ce qu'il faut. Hein. Là là, c'est la classe. On commence à avoir beaucoup de puces. C'est chiant que j'arrive pas à débloquer. Bloque les effets de l'émetteur d'onde 0. Réduit le courant du pouvoir télépathique. On a dégagé par mon mec. Voilà, pour l'instant je garde ça, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi prendre encore. Entrer le mot de passe. Bien sûr qu'on a le mot de passe, ce serait dommage. Enregistrement audio. Calvino, Daniel, audio October. Calvino, collègue, ne remarquera rien d'anormal. Mémoire photographique, obsédé du travail, dossier médical vierge, aucune absence. On va aller au recycleur après, vu tout ce qu'on a... Bon, est-ce qu'il faut tous les lire? Est-ce que c'est important? Bon, on n'entend plus. On est beaucoup trop loin, ça c'est bien foutu quand même. On n'entend plus parce qu'on est trop loin. Allez, on fouille tout. La bouffe, la bouffe! La bouffe! Y'a rien dans les pizzas? Oh merde. Ce serait bien taper une petite pizza.
Considérant qu'il existe des milliards d'étoiles semblables à notre soleil dans la galaxie, dont beaucoup sont bien plus vieilles, certaines de ces étoiles ont des planètes comme la Terre. Certaines de ces planètes auraient peut-être développé une vie intelligente, et certains types de vie intelligente pourraient développer le voyage interstellaire. Si une civilisation a débuté avant la nôtre, ça semble possible, voire probable. Quand même, selon la vitesse actuellement envisagée pour le voyage interstellaire, elle aurait déjà colonisé la totalité de la galaxie. Le problème, c'est que nous n'avons pas détecté de cette civilisation, pas plus que nous avons été contactés. Pourquoi ? J'aime trop ce genre de comment dire, de passage... qui parle de la galaxie, etc. Qui parle des civilisations, des conquêtes. Ça, ça me fait rêver. Ouais, je sais, c'est étrange. Enfin, étrange, non, pas vraiment. Oh là 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 ! Moi, je suis impressionné depuis tout à l'heure, parce que là, on est vraiment dans le quartier de l'équipage, et c'est beau. C'est beau. Ça transpire la beauté. Ok. Oh ! Ok, j'ai voulu... C'est un mien. J'aime pas être surpris comme ça. Je suis désolé, mais je le tue au corps à corps, il est où? Je suis désolé, je n'utilise pas de munitions pour ce genre de créature. Voilà, c'est dit. Ok, lui, il est mort dans sa chambre. Il pouvait pas sortir? Bah non, il s'est pas appuyé sur le bouton. Des fléchettes. Dossier des ventes. L'alcool. Vous voulez me dire qu'il n'y a rien d'intéressant dedans? Putain, il n'y a rien. J'ai l'impression d'être dans un hôtel de luxe là. Il n'y a rien dans sa tête. Ok, très bien, pourquoi pas. Et là, on a pas la carte. Ok, bon. Bah écoutez, on a tout fouillé, du coup on n'a pas la carte de la suite d'Alex Yu. Forcément. Ok, bon bah écoutez, on va redescendre du coup. Let's go. On va pouvoir cette fois-ci enfin aller aux cabines de l'équipage. Et je sens que là il va y avoir pas mal de choses. Alors j'ai mangé un petit... Bah je vais tout manger en fait, tout ce que j'ai. Ce serait cool de reprendre la tourelle là-bas en fait, parce que je pense que ça va nous aider. Je crois qu'elle est là encore. Oui, elle est là. On peut la réparer. On peut la fortifier, c'est réparation niveau 3. Ça c'est cool, j'aurais dû le prendre aussi, parce que les tourelles finalement m'aident bien. Je garde cette tourelle. Est-ce qu'elle va m'aider? Chambre du cuistot, cabine, capsule de vie. Il y a tellement de choses. Regardez toutes les cabines. Regardez toutes les quêtes. On a 4 quêtes, enfin 3 quêtes secondaires et une quête principale ici. Ne vous inquiétez pas des sautes électriques. D'accord. La station est juste blessée. Continuez. Je vais la déployer ici, on sait jamais. Tourelle de l'indicatrice automatique, version 0.7.6 en ligne. Bien sûr qu'on va hacker tout ça. Hop. Non. Ok, c'est bon. Alors on commence par quoi du coup? On a les vestiaires et la piscine. Écoutez, j'ai bien envie d'aller directement au vestiaire piscine. Juste pour voir ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui est pas bien là. Oh non 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 non. Oh putain, j'ai perdu de la vie bêtement. Je suis déçu là. Je suis déçu. Les vestiaires. On va tout voler. Oh, tout ce qu'il y a, le pire c'est qu'il y a beaucoup de choses dans les vestiaires. Putain, on a l'impression que c'est une réserve. Il est mort. Putain, il a rien fait du tout quoi le mec. Il nous a regardé, il est tombé. C'est tout ce qu'il a fait. Bah tant mieux pour nous hein. J'ai plus de place. On va devoir retourner de façon au recycleur. J'aurais peut-être dû y aller maintenant au recycleur les amis. Je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Parce que là je commence vraiment à avoir beaucoup trop de trucs. Et tout ce que j'ai là en même temps, tous les casiers qu'il y a. On va en profiter pour manger. Il y a beaucoup trop de trucs. Oh là 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 là. On va trier. Un petit tri, ouais, ok, j'ai plus de place. On va aller au recycleur immédiatement, les amis, parce que sinon ça va être galère. Où est-ce que je vais à la piscine tout de suite? Non, allez, on va aller au recycleur. Oh là, il y a encore des trucs ici! Beaucoup trop de trucs! Carte au trésor. Ah bah, la carte au trésor, je suis désolé, mais difficile. Hein. On pourrait la faire, mais. J'essaie de joindre Abby, mais elle répond pas. Surtout. Ne viens pas. Emma, surtout. Non! Écoute là, voyons. Je t'entends mal. Ça va. Abby, écoute là. Toi tout va bien? C'est parti. Je ne peux pas. J'y arriverai pas. Vous ne pouvez.
qui est terminé à 50%. Ah du coup non, on en a eu 3. On est à 50%. Du coup je suppose qu'il nous en reste encore 3 à faire. Enfin, à voir. Ok, nice. Nice, nice, nice. Alors au niveau de la carte, on en est où? Parce que finalement, on a plutôt bien avancé dans le jeu. Je pense qu'on est presque à la fin. Parce qu'au niveau de la carte de la station, on a presque tout fait en fait. Sauf la centrale électrique. Mais regardez, on a presque tout fouillé. Et je pense que le... Je pense qu'on est presque à la fin, sans vous mentir. Je pense qu'on s'y approche à grands pas. Bon, peut-être encore 2 épisodes, je pense, un truc comme ça, mais on y approche. On y approche à grands pas et c'est plutôt cool. Alors, attendez. Comme d'habitude, on va faire ça. Mais dis donc, je sais pas ce qu'il y a eu ici, mais ça a tiré de partout. Merde, c'est où? Ah putain, c'est ici, j'arrive pas à voir. Je suis aveugle ou quoi? Je vois pas très bien. Oh, la piscine. Voilà, la la la. Oh putain, mais ça me saoule. Oh non, forcément ils ont explosé là. Oh. Alors là, attendez, 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 les amis. Je suis désolé, mais là on va passer ici. Attends, c'est sûr, je vais pas pouvoir me cacher ici. Ou alors difficilement. Pourquoi je peux pas là? Ah, ça va être compliqué parce qu'à chaque fois... Attendez, on va essayer... Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Je sens que ce boss, ça va être la merde. Enfin, c'est pas vraiment un boss, mais bon. Écoutez, je vais tuer toutes mes munitions dans sa gueule. Sans là, on a plus de choix. On peut passer par au-dessus. Salle de fitness. On va pouvoir l'attaquer par au-dessus, je pense. Il y a moyen. Neuromode. On va pouvoir l'attaquer par au-dessus, les amis. Ça, c'est cool. Wouah, 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 j'aurais dû bouger là. Je sais pas pourquoi je balance ça, je sais que ça lui fera aucun effet logiquement. Elle te casse pas mon gars, on n'est pas fini avec toi. On peut le scanner encore, oui c'est vrai que je l'avais pas scanné à fond. Yes, chop psychique niveau 3. Bon, même si je peux pas tout faire encore. Putain, il bouge trop. On va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. J'utilise beaucoup de munitions, mais c'est pas grave. Et voilà! Nice! En vrai, c'est vrai, le mieux pour le tuer, regardez, c'est se balader en haut et de les défoncer de cette façon. Ils sont où les autres là? Bon, je vais descendre, c'est pas grave. Il en reste encore? Non, ils sont morts. Ils sont morts, c'est bon. Des cadavres. Des cadavres partout. Toujours des cadavres à fouiller. Et bah, je crois que nous avons tout fouillé ici. Bon, c'est parti du coup pour aller fouiller les cabines. Là, on va valider quand même, je crois, environ 3 quêtes secondaires. Parce que, voilà, donc on avait... Bon, ah, mais ça reste une... Ah, ça reste une quête secondaire. Ah, mais en fait, la quête principale, c'est... C'est localiser les échantillons vocaux, fouiller la cabine. Ah oui, non, là, on doit fouiller également des cabines. Mais putain, ça fait partie de la quête principale, les échantillons vocaux. Ok. Ok, ok. Département neuromode, ça, on devrait y aller. Extérieur de Talos. Oh mon dieu, on est tellement aussi. Si on a 3 quêtes secondaires aussi à côté. Bon, on va passer rapidement. Je brûle, mais c'est pas grave. J'ai utilisé beaucoup de munitions pour le tuer, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut assumer. J'aurais peut-être dû prendre la. Là, c'est vrai que j'aurais dû prendre la tourelle, mais j'avais complètement oublié. Pauvre tourelle. Je t'ai oublié. Cabine d'équipage B. C'est tellement pas rassurant ce qu'on a. Alors, je vais poser là. Faudrait que je me rappelle que je l'ai déployé ici. Ce serait cool. Bon là écoutez, on va tout ouvrir hein. J'ai la carte. Disparition du cadavre. Ok, donc là c'est la quête secondaire avec Bellamy. Ah bah voilà, ça c'est une belle quête secondaire réussie. En plus on l'a depuis le début celle-là, vous vous rappelez. Optimiseur, encore une nouvelle puce. Transférer le dossier. Données de recherche de Morgan News sur les typhons. Nouvelle aptitude psy disponible. C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Au niveau des... Télépathie, manipulation à distance.
Non, c'est ça, créer un fantôme qui votera ça, il me le faut. Ah, mais j'ai pas débloqué encore. Scanner plus de typhon, ouais, j'ai pas encore ça. J'ai pas encore. Alors, excusez-moi, je suis mal mis parce que j'ai chaud. Et ça colle de partout. Bon, les amis, vous inquiétez pas, on va pas tarder à arrêter cet épisode. On fouille tout le quartier de l'équipage. Je pense que là, on est rentré dedans, donc on va pas s'arrêter maintenant. Parce que c'est important de fouiller tout ça. Et là, il y a tellement de choses. Email. Docteur Torch, j'ai ajouté à vous écrire personnellement pour vous remercier de nouveau Saint-Écube. Je sais que d'autres étaient sur la liste d'attente pour en tenir et j'ai été agréablement surpris d'en trouver un dans mon bureau ce matin. Demande de pièces. Et bah, dis donc. On se fait un petit kiff. Des chaussures. Il se balade avec des chaussures. De toute façon, c'est ouvert. Faut que je me rappelle qu'il y a la tourelle ici. J'en suis sûr, je vais pas m'en rappeler, je vais me faire avoir. Batterie, papier froissé. On prend tout. On prend tout. Contre-fabrication de médicaments anti-radiation. Mais ça, on les avait déjà, ça. Hein. Ok, ça c'est bon. C'est moi ou il y a un truc à réparer là? Il est où le truc à réparer? On peut vraiment tout ouvrir là. Hein. Joignez-vous à nous pour fêter la réussite de Transtar. Deadover Toast et discours de présentation d'Alex, démonstration de l'équipage. Quartier de l'équipage, galerie du niveau 2. Non, j'ai pas le mot de passe. Ça c'est tellement rageant. Ah mais on peut pirater, ah, mais c'est un piratage niveau 1. C'est tellement simple. Eh, franchement le piratage c'est tellement obligatoire quoi. Piratage niveau 1. Écoutez, hop, allez, c'est dans la poche. Voilà. Piratage réussi, on en parle plus, c'est formidable. Utilitaire, trésor caché. Ah là par contre faut un code. Ah oui, ça c'est par contre c'est un peu emmerdant. Dossier. Plan de fabrication des fléchettes pour un balatria. Mais on l'a déjà ça, non? Daniel, je crois qu'on a déjà tout ça. Hein. Avec le grand Alex aujourd'hui. Il m'a encore sorti ses excuses bidon. Chasse au trésor. Entre lui et Morgan, c'est une Mon tradition Dieu. Familiale. Le fameux désolé des You. Encore plus hypocrite que des Trouvez la carte de Zachary West. Objectif mise à jour. Daniel, non. Oh, regardez, il est fan d'anime. Enfin, ça a l'air d'être un anime en tout cas. Parce qu'il existe réellement, je ne sais pas. Bon, on peut pas continuer comme ça. Calmer. Et de roleplay, bien entendu, il y a toujours le petit livre de maître de jeu. Daniel, j'ai dit va-t'en. Tu vas te calmer, meuf. Tu vas te calmer tout de suite. Donc là, on a fouillé. Très bien. Ah, mais c'est bon, objectif mise à jour. Je sais pas si je l'ai réussi ou là, c'est fermé. C'est complètement fermé. Je vous avoue que mal à mes quêtes, je les regarde même plus en fait, les amis. J'avance et je m'embête pas en fait. Les quêtes se débloquent tout seul. Vu qu'on fouille tout, on trouve quand même pas mal de choses. Nouveau code, voilà, j'ai un nouveau code, celle de fitness. Donc je fais tout en fait. J'avance et je fouille partout. Et généralement, ça débloque forcément des choses. Putain, combien il y a d'objectifs qui se met à jour là? Putain, j'ai chaud! J'ai chaud, je meurs! Localisation d'échantillons, ok. Très très bien, on est à 60%. On s'approche des 60%. Enfin des 100%, excusez-moi. Waouh. Est-ce que je peux l'examiner? Oh mais non, c'est eux. Putain, je les aime pas eux. Je les aime pas eux. Il est là? Il est là l'enfoiré. Poltergeist. Il est où lui? Il est parti où lui? Lui, faut le tuer aussi. Ah, ok, bon, petite balle dans la gueule parce qu'il y en a marre. Hein. Faut pas non plus abuser. Et j'ai pas envie de mourir maintenant. Et je vais me soigner directement tout de suite parce que je suis pas très bien en soi. Hein. Il est mort l'autre? Non, il est là. Viens là, petit con! Moi, je te vois pas. Et ben voilà. Il croyait que je voyais pas, lui. Ça va pas la tête? Je surveille tout, moi. Je surveille tout. Très bien.
Alors, capsule de vie d'équipage. Donc ça, je crois que c'était aussi une quête secondaire, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, parce que malheureusement, je ne sais plus, mais je crois que c'était une quête secondaire. Je pourrais regarder, mais je ne le ferai pas. Salut maman, je fais des cauchemars depuis que tu es partie. Le docteur Preston dit que je devrais les dessiner pour aider à les faire partir. J'espère que tu aimes mon dessin et que tu reviendras vite. Je t'aime, Corée. Cartouche de fusil à pompe. Ça fait plaisir quand on voit des munitions. C'est tellement plaisant. Alors, ok, c'est cette personne que je vais retrouver. Nice. Officier Foles. Docteur Gallegos. Malia, j'ai une demande importante à vous faire. Une... Venez-vous à nous, hein. Bon là c'est toujours un autre truc. Qui requiert la plus grande discrétion. Je dois savoir si je peux vous confier une mission de surveillance. Oui, bien entendu, monsieur. Simplement, en temps normal, j'ai besoin de l'autorisation du chef Elazar, des RH ou d'un autre directeur. En temps normal, t'as dit. Tous ces gens sont mes subordonnés maintenant. Bien, monsieur. Ok, capsule de vie. Bon là on a tout fait, du coup on va essayer de faire, bah c'est pas qu'on va essayer, on va faire maintenant la cabine d'équipage A pour fouiller les derniers trucs à fouiller. Bien, envoyez-moi un rapport d'ici la fin de la semaine. Bien, monsieur. Merde, j'ai pas été ici, bah j'ai pas la carte. J'ai juste abusé des neuromodes, je me sens bizarre. J'arrive pas à croire qu'Alex est embarqué dans ses pitreries à la tulipe. Tu rigoles? J'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Bouffe-moi cette pomme. Tiens, je vais tuer les deux psys. C'est comme si je pouvais voir la partition dans Il me manque quand même pas mal de cartes, hein. Parce qu'il y a certains... Là, il y a deux bureaux que j'ai pas pu fouiller parce que j'ai pas les cartes. C'est un peu emmerdant. C'est avec moi, pas vrai? Seulement pour te rattraper si jamais tu t'effondres. Et seulement si tu m'empêches de frapper Alex si je suis bourré. Fouiller la tulipe jaune pour trouver des échantillons vocaux de Daniel Shaw. La tulipe jaune, ça, on l'avait déjà fouillé, la tulipe jaune, non? La tulipe jaune, c'était à l'étage. Ok, on va devoir y retourner. Très bien, bon, il faudra pas oublier la prochaine fois d'y retourner, ou même si on peut y retourner maintenant. Je pense qu'on va faire un long épisode, là on est déjà presque à une heure, mais c'est pas grave. Hein. Des moments, je pense que vaut mieux faire des longs épisodes, parce que sinon on va pas avancer, ça va être beaucoup trop long. Ok, c'est vrai qu'on est on a un truc de niveau 4 là. Donc il faut être précis, rapide et efficace. C'est formidable, c'est formidable, il nous reste 10 secondes en plus. Réussi. Alors là, il va y avoir des trucs de fou à l'intérieur. Hein. Pistolet d'or d'Artemis. Waouh, mon dieu. Pistolet d'or d'Artemis. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais il fait beaucoup moins mal que l'autre, du coup, mais bon. En fait il fait les mêmes dégâts de base. En fait la puissance de feu est égale. Sauf que là la taille des chargeurs est... Malheureusement l'arme est plus nulle vu que elle je l'ai tellement améliorée. Ok, mais je vais le garder sur moi pour l'instant. J'ai envie de le daze en même temps mais en fait l'arme que j'ai ramassée est plus nulle que mon arme. Pas de base mais là vu que celle-là je l'ai améliorée, elle reste plus nulle. Donc faut voir si je continue à améliorer celle que j'ai ou l'autre. Je pense que vaut mieux continuer à améliorer celle que j'ai de base. Après l'autre je pourrais l'améliorer beaucoup plus vers les dernières améliorations. Elle sera beaucoup plus forte. Email. Je fouille quand même les emails même si je les lis pas parce qu'on peut avoir des trucs intéressants. Comme des codes etc. Oh. Dégueulasse. Je ramasse les échantillons. Putain. Est-ce que je peux l'analyser? Ouais. Je peux le faire. Non, tu ne m'as pas vu. Non, tu ne m'as pas vu. Nouvelle attitude psy disponible. Oh là là, je lui ai tellement tout foutu à la gueule. J'ai tué toutes mes balles. J'ai tué toutes mes balles de pistolet. Je me suis dit que j'avais pas envie de perdre de vie. Toutes mes balles de pistolet j'ai utilisé sur sa gueule. Tant mieux j'ai envie de dire hein. Au moins on perd pas de vie et de toute façon hein. Faut bien utiliser les balles. Alors là je vais utiliser ça. Logiquement ça devrait marcher. Merde, oh, je les ai pas mises à côté. Attendez. Ça marche pas ça? Je pensais qu'on pouvait avec ça. Je pensais que ça on pouvait le faire. Merde, et je suis assez déçu là du coup. C'est un peu embêtant.
Bois de la vodka. Erreur. Tu vas voir s'il y a une erreur. Moi, ton erreur, je la pirate, d'accord? Le mec, il ne connaît plus que le piratage. Par contre, là, il faut que je revienne après. Ouh là là là, ça va être compliqué, là, ça, non? Attendez, il faut que je revienne là-bas? Ah non, c'est juste à côté. Ok, c'est juste à côté. Là, je me suis dit que si je dois revenir là-bas, j'aurais jamais eu le temps. Dossier. Plan de fabrication, hypopsie. Ah, on l'avait, ça? On l'avait, ça? Oui, bah oui, je crois qu'on l'avait déjà. Ok, bah j'ai... Bon, je l'avais déjà, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi pas? Chambre de Daniel. La cuisine. Manger les bananes. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Mitchell? On dirait une pub. Le petit piratage comme d'habitude, hein, quand on n'a pas de mot de passe. Je crois que les mots de passe, maintenant, on n'en a même plus besoin parce que tout ce qu'on voit, on le pirate, donc ça sert un peu à rien. Donc en fait, on serait presque même pas obligé de fouiller. Bon, après, il y a les cartes qui sont obligatoires. C'est juste le séquenceur de conversation. Ah, là, on a le code. Celui-là, on l'avait aussi. On l'avait aussi, ce code-là. Combien de protocoles de sécurité vous avez en frein? En fait, les codes, on peut les avoir partout. J'ai même bénéficié de son aide. Après, les récompenses dans la chambre du custode. Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Quoi, j'ai eu une raclette? Le custode, ça récompense. Attendez, c'était réellement ça qu'il voulait? On t'a pas demandé ton avis. La vache. Wow. Espèce de mimique. Espèce de mimique. What? Ah, il y en a encore un. Je sais plus comment il s'appelle là, les poltergeists. C'est les poltergeists, il y en a encore un. Ah, il est là. Il est là, le petit con. Putain, j'aime pas ceux-là, ils sont longs à tuer en fait, ils sont casse-couilles. Ils sont chiants. Tu vas mourir. Voilà, petit con. Pourquoi je peux pas prendre? Je dois plus avoir de place. Hop, on va manger. Ok, donc tout ce qui est orange, c'est les quêtes de... C'est les trucs pour les quêtes. Ça, du coup, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert... Ah, mais si, c'est pour... Ok, ah non, régule la situation de... Ok, je croyais que c'était pour boucher le trou. À un moment, on avait une quête où on devait boucher un trou à l'extérieur. Mais en fait, non, je crois que ça n'a rien à voir. J'y ai cru un instant, mais... Je ne pense point que c'est ça. Ça m'étonnerait. Wouh! Bah dis donc. Y'a rien d'autre à l'intérieur, c'est juste les toilettes. Oh, de la bière. Ouais, y'a de la bière dans les chiottes, quoi. J'y crois pas. Ils sont cachés de la bière dans les toilettes. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on a tout fouillé de ce côté-là. On a... Bon, après, y'a des salles, malheureusement, qu'on peut pas fouiller parce qu'elles sont fermées. Genre celle-là, j'aimerais bien y aller en fait, mais je vais essayer de remettre. Mais je crois que ça a pas marché. Hein. Je crois que ça a pas marché. Je vais re-essayer. Ok, on est d'accord qu'on ne peut pas. Ouais, bon, on peut pas. Là, j'ai déjà été. Ok, bon, du coup, au niveau de la quête principale, on en est où, les amis? De toute façon, là, on va pas tarder à arrêter l'épisode, même si on n'a pas tout terminé. Il nous manque encore un échantillon. Fouiller la cabine de Daily Show pour trouver des échantillons vocaux. Fouiller la tulipe jaune. On va aller fouiller la tulipe jaune, rapidement. Et la cabine de Daniel, on l'a pas fouillée? Attendez, elle est où, la cabine de Daniel? On n'a pas fouillé cette cabine? Ah, on n'a pas fouillé cette cabine. Ah bah, super, Kira. T'oublies des choses? Fouiller le cinéma pour trouver des échantillons. On va devoir retourner. En fait, on va devoir retourner au endroit qu'on a déjà été. C'est formidable. Bracelet électronique. Ça avait l'air grave. Alors je voulais éteindre mon transcribe. Si je comprends bien, tu me demandes si je suis d'accord pour enregistrer. Notre partie sur des transcribes. Hop. Oui, je sais qu'utiliser la mémoire c'est pas très le menteur. Je refuse juste d'avoir cette conversation. Oh, je suis désolée. Je pourrais perdre tout ou rien qu'en parlant de ça avec toi. Hein? Kira. Pour commencer, oui. Kira. Et plus si affinité. Un dîner avec moi pour te racheter. Ça drague, dis donc. Kira, le mec utilise une petite bombe.
Oui, tu vois, c'est réglé. T'inquiète pas. Ouais, je suis toujours en vie, t'inquiète mon gars, y'a pas de soucis. Et donc, ah, y'a des cystoïdes, y'a des cystoïdes quelque part. Oh putain, y'en avait encore vivantes. T'enregistres. Les transcrèmes communs, c'est marrant. Alors là, logiquement, la tulipe jaune, y'a un truc à fouiller. Y'a un transcribe ici. D'ailleurs, j'en ai un autre à écouter. Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? J'arrive pas à ouvrir cette saloperie. Ah, peut-être parce qu'on a la carte ici maintenant. Non, même pas. Et à berner le module d'accès au stockage. Au fait. Ah non, mais je crois que ça a l'air d'être bon. Attendez, je vais juste aller voir. Objectif. Utilisez les agents de vos côtes j'avais pour accéder au stockage à Boritum. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, les amis, pour la quête principale. Ok. Bon, on va aller quand même voir le cuistot pour rendre sa récompense. Et franchement, cet épisode, c'est un des plus longs du coup. Parce que là, on est un peu plus d'une heure. Mais j'ai vraiment envie de terminer en fait le. Pas le jeu dans cet épisode, mais au moins le. Au moins les cabines d'équipage. Il va me donner tellement de récompenses. Je vais tellement être heureux. J'aimerais clarifier une chose. J'ai dit que le signal s'entendait à peine pour les humains. Mais quand je vous scanne, vous, on atteint le niveau d'un typhoon. Attendez, j'ai encore un autre transcrit à écouter. Ivy, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Bon, tiens, ta récompense. Attendez, on va voir deux trucs en même temps là. Il faut qu'elle nous communique la phrase clé ou on rentrera jamais. Faites le tour. Est-ce que des échantillons de voix marcheraient? Merci. Des enregistrements transcribe. Ouais, merci, mon tio. Les bons mots. Ou si on en a assez pour faire correspondre sa voix à une liste de consonnes et voyelles et commencer à créer des schémas. Je vais tenter de la retrouver. Elle ou son transcribe. Je vais voir dans sa chambre. Ok, mais Ivy, ne fais rien de stupide. Mais il a un problème ou quoi le cuisinier? Ah, c'est bon. Ah bah voilà. Alors là, on a bien fait de le faire parce qu'on va tellement avoir de récompenses ici. Pas entrer. Mais regardez ça. À tout prendre. 4 anguilles en gelée, 2 mini burgers de Pacifique, 3 unagi maki siskak. Qu'est-ce qu'il on a nous montré? De la nourriture, mais pas d'eau. Le régulateur de pression, il est cassé. Régulateur endommagé. Arrêt automatique jusqu'à réparer. Bah voilà, regarde. Il est réparé ton régulateur. fallait juste demander. Et bah ouais, moi je suis un génie. Astucieux. Et ouais. Tenez, j'ouvre le congélateur comme promis. Beaucoup de pantins morts et de fournitures. Oh, y a tellement de choses. Reste d'anguille. Fouille le congélateur. Il est où le congélateur? Charge recyclante, fil de nidée. Bon, par contre, j'ai vraiment plus de place là. Je vais devoir jeter certains trucs. Enfin, recycler. Il n'y a pas de recyclage ici. Ils essaient d'avoir l'air humain, de me faire ouvrir la porte. Mais tu crois que tu vas te faire piéger? Tu les vois bien qu'ils sont pas des humains, enfin ça se voit. Congélateur, il est là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. What? Oh, je le sentais tellement mal, il nous a piégé en fait, non? What? Il nous a congelé. C'était un piège. Vous avez succombé au froid, peut-être. Ok, non, je pense pas que c'était un piège. Je vois tous les noms sur une liste. Le vôtre aussi. Ça veut dire que maintenant, vous m'écoutez. Je sais qui vous êtes. Emma You, fille de William You. William. Lui, il a juste la haine, en fait, contre... Il a juste la haine contre Transtar, du coup. Et du coup, il m'en veut, forcément. Oh merde! Oh putain, j'y crois pas, il va envoyer des bêtes. Il va envoyer des bêtes, cet enfoiré. Peut-être que le froid vous tuera d'abord, vous transformera en pantin congelé. Arrête mon gars, fais pas ça. Abby, je suis toujours dans le stockage. Je comprends pas pourquoi tu réponds pas. J'espère que tout va bien. Si les choses dégénèrent, je largue un module de données et je passe. On est tellement dans la merde. Rejoins-moi à la salle de fitness et tape sur la vitre près de la piscine. Vibration. Et Abby. J'ai même plus de place en plus. D'accord. Je. Attention. Et pas quelque chose d'autre à fouiller, non, là c'est juste de la viande en fait. Dans la salle de 7 et fait signe à Daniel. Et comment on se casse d'ici du coup? Ah, je vais mourir! Ah, là il y a un passage. Bon, attendez, je sais ce que je vais faire. Charge recyclante dessus. Hop, voilà. Ça va faire le taf. Voilà. Comment régler le problème? C'est juste de la glace. Non, c'est des blocs de glace.
On arrive à voir des trucs. Voilà, on passe par ici, on sort. On va lui casser la gueule et on en parle plus. Je vais ressortir derrière lui. Putain mais... Oh bordel, ça me saoule. On va rebalancer une charge recyclante, même si c'est des cartons. Au moins c'est fait. Bah voilà. Du coup bah je suppose... Ouais mais il s'est barré l'enfoiré, bah, forcément, forcément qu'il s'est cassé. Ok. Bon les amis, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode qui était plutôt très long, mais on a bien avancé du coup dans l'histoire principale. La prochaine fois on ira tout simplement utiliser les échantillons vocaux de Daniel Shaw pour accéder au stockage. Alors il faut les utiliser où? Attendez, parce que là ils expliquent pas tout. Utiliser, je peux entrer dans le stockage grâce à la voix de Daniel. J'ai caché le plan de transmission, ma clé, non, je peux... Mais il faut les utiliser où? J'en ai aucune idée. Bon, on verra. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était assez long puisque, franchement, le quartier de l'équipage, je pensais pas qu'il était aussi grand. Ah mais si, il faut retourner tout simplement. Ah mais si, pour accéder au stockage. Mais si, il faut sortir du quartier de stockage. Il faut aller au stockage. Ben oui, on pouvait pas. Ok, je pense qu'on pouvait pas entrer par là. Très bien. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut, des gros bisous. Salut.